Hello guys, bonjour à toutes et à tous, français anglais aujourd'hui, in French in English, about the factory reset of the firewall. Donc c'est à propos de la rétablir les presets d'usine du firewall FX. Ok, donc ici moi je vais passer à l'Helix probablement demain après-demain. Donc ici je vais le restaurer par défaut et probablement le mettre à vendre. Je veux dire, il est pas vieux, hein, il est nouveau, il a été acheté nouveau, donc voilà. So probably I'm gonna switch to Helix, I think tomorrow or in a few days. So I'm gonna restore this to factory reset, and I'm gonna show you to do this in case of. So je vais vous montrer comment faire au cas où ça pourrait vous intéresser. Voilà. In case of is maybe with the light here. No, it's not working. So, at the first time, if you do that, if you have any problem, if you want to do that, don't forget to save all your presets of the firewall in MyTunes app, okay? In the app on MyTunes. Don't forget to connect to Wi-Fi or mobile. Donc, au cas où vous avez fait des presets ici, n'oubliez pas de les sauvegarder dans l'application, dans MyTunes, donc tu les sauvegardes un par un. Hein. Il y en a 128, donc voilà, tu peux les faire un par un, au cas où tu voudrais les retrier, par exemple, voilà, etc. So, n'oublie pas de te connecter hein, pour faire la synchro avec le cloud, avec le nuage. Don't forget to connect your tablet or smartphone if you save all the presets to sync with the cloud, ok? Now, or you can do that if you have a mess in your settings and you say, okay, I have from setting one acoustic drive, crunch, lead, etc. And you need to scroll and whatever. And you can so restore the default setting if you want and reset all your tones in order. Donc tu peux en fait reclasser tes presets en fait. Moi c'est ce que je fais en fait, je sais que au-dessus c'est acoustique, puis c'est les clean, puis c'est les crunch, puis c'est les effets, d'abord t'as les chorus, puis t'as les effets, donc tout ce qui est delay, etc. Puis t'as les disto, hein, tout ce qui est punk, hardcore et tout, metal, et puis t'as la basse qui est tout à fait en dessous, voilà. So I do always like this, so if I ever, whatever the unit I have, I set always the acoustic tones in the beginning, then following with the clean, with the crunch, all the chorus, all the effects like delays, synth, all the delays and all the synths, and then I go with distortion, then lead, and then solo, and then the bass. Bass is always at the end on me, so. And so I don't need to find and to search about. So I scroll on it. In the middle is chorus, delays. In the beginning is clean and acoustic. At the end is more solo bass. And so voilà. So in case of so, but I'm gonna restore this with the factory reset. Donc je vais en fait restaurer les paramètres d'usine. Alors c'est tout simple. You need to do that. You see here acoustic CA 101. On the B, I have acoustic rhythm, so maybe with the light you're gonna not see very good. I have acoustic C, G, C, G, C, A, and acoustic special tune here, okay? Now I'm gonna reset this by default, so you need to power off. Donc tu éteins l'appareil, okay? Tu l'éteins. Et maintenant tu dois enfoncer ici, you need to push here the big knob, the master volume knob, the volume knob. Tu dois juste enfoncer and hold, press and hold the tap, okay? And then power on. Donc tu restes poussé, tu pousses ici, tu pousses le tap, tu maintiens les deux. C'est important, hein, tu ne relâches pas. Don't release it. Holding and power on. So this, this, and I power on. And you will see V1 factory restore starting, and that's it. Okay, it's restored. Now, when you see, it's the original preset, HD rhythm, lead the way, America clean, ambient delay,
and all the factory presets are restored. And that's it, that's all. So now you can go, you see, you have the old message in the bottom, the old presets, in case of you want to, and you see all the volume and the master is resetting, okay? Voilà. In case of you need to have a preset back to that you erase or whatever, you can do this and then resave this. Hein. Donc si au cas où tu dirais, oh, moi je voudrais récupérer les presets originaux, ben, tu fais ça, les presets originaux vont se recharger et alors à partir de là, ben, tu peux les re-sauvegarder dans iTunes. Okay. So from here you can save again the factory presets into my tones. Okay. Voilà. That was the factory reset of the Firewalk. It's very simple. I repeat. You keep press an alt tab. First time power off. Press an alt the master. Press an alt tab. Set the power on. It's a few seconds, and you see starting and okay, and you see HD rhythm, and the following all is restored by default. Voilà, c'était la petite vidéo. Je crois que ça va. Ouais, il va peut-être encore en avoir une après pour voir la différence en fait de son entre les deux appareils. Voilà. Moi, je vais essayer de faire ça. Assez réel. Voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, il va y avoir une vidéo là-dessus. On va comparer l'Helix et le Firewalk, question sonorité, avec les mêmes. D'ailleurs, j'ai déjà la petite liste ici, elle est faite. Voilà, donc j'ai en fait, tu peux le voir comme ça, c'est comme ceci. Donc, il y a vraiment le même ampli et le même cabinet. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, ok, avec le même micro. Donc, on verra ça ensemble plus tard, ça va arriver dans quelques jours, enfin peut-être une semaine, le temps que je m'habitue un peu. Je vais pas faire ça directement, je vais un peu d'abord m'habituer à l'appareil. Je crois que je vais m'habituer très vite, parce qu'en fait si tu regardes le LX, ou le LX LT, moi c'est le LT, moi j'ai eu un pot HD500X avant. En fait, c'est un pot HD500X, mais vraiment modernisé. Parce qu'en fait, les snapshots, tu faisais déjà ça avec le 500X, hein, mais avec les boutons. Voilà. Oui, il n'y a peut-être pas beaucoup qui le savent, mais tu sais, c'était ça. Voilà. So, it's coming soon, hein, coming soon, but maybe in a few weeks, a real comparison about the Firewalk and the Helix with the same caps. So, I repeat, I have the same caps of the Helix, the same amp, Helix Firewalk, and I'm gonna try some caps and amps to see who is there a difference. But I'm gonna show you that with only the cap, only the amp, and a reverb. No stomp, no delays, no mods, and no remastering of the song. Donc je vais vous montrer ça en fait sans. Uniquement avec l'ampli, le cap, la reverb et le même micro, il n'y aura pas de delay, de chorus ou quoi que ce soit, d'équaliseur. Je vais vraiment le faire pur avec le même setting, donc le même réglage, et en fait, pas de son remasterisé, rien du tout. Hein. Donc ça va direct dans la table de mix, et de la table de mix, c'est dans vos oreilles. Voilà, comme ça on aura vraiment une vraie différence. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Thank you to watch this video. I'll see you later, alligator. Je vous. À bientôt, j'espère, le petit pépère. Voilà, j'ai bafouillé. À bientôt.